Cyril Hanouna en galère financièrement, révélation sur la situation précaire qu'il y a connue. Avant de reprendre quotidiennement l'antenne, Cyril Hanouna a accordé une longue interview pour le podcast Élise et Julia. L'animateur y a évoqué plusieurs sujets, dont le succès qu'il rencontre et qui lui fait gagner beaucoup d'argent. Une situation confortable qui ne lui fait pas tourner la tête, lui qui a connu des périodes plus précaires dans le passé. Lundi 29 août, Cyril Hanouna sera de retour sur C8 avec une nouvelle saison de Touche pas à mon poste. Il s'agit là de la 13e saison de l'émission qui rencontre toujours autant de succès, à tel point qu'elle a bien rempli les poches de l'animateur. En effet, ce dernier est aujourd'hui blindé comme l'ont souligné Élise Goldfarb et Julia Liliani dans leur podcast Élise et Julia auquel il était invité. Mais peu importe l'argent qui y gagne, Cyril Hanouna l'assure, il est toujours le même. Tu ne t'en rends pas compte en fait. Tu ne changes pas réellement de travail, tu fais toujours la même chose. Moi, j'ai toujours les mêmes potes, qui sont avec moi depuis que je suis à l'école, a-t-il confié. Le présentateur phare explique également qu'avoir un salaire confortable n'a jamais été sa priorité. C'est sa passion pour la télé qui le pousse à multiplier les projets. Mon but, ce n'était pas de gagner de l'argent, c'était de faire de la télé et de kiffer. Le mec qui se dit « je vais faire de la télé parce que je veux gagner de l'argent » ou « je vais faire un truc parce que je veux devenir blindé », il est mort. Pour moi, ce n'est pas du tout la bonne démarche. Il faut dire que Cyril Hanouna a connu des épisodes plus difficiles dans le passé. J'avais toutes mes affaires dedans. Depuis qu'il a sorti la tête de l'eau, il n'a jamais oublié cette période difficile. Ni ses parents d'ailleurs, toujours derrière lui, pour s'assurer qu'il garde la tête sur les épaules. C'est pour ça que mes parents sont toujours un peu en stress là-dessus. Ils se disent que ça peut tourner, a-t-il rapporté.